Une personne qui vit chez ses parents, qui est en situation de handicap, on ne demande pas les revenus, donc la personne va toucher ses 900 euros environ par mois, il n'y aura pas de souci. Mais si la personne est pacsée, mariée et autres, on prend les revenus du couple et donc par définition, si la personne gagne 1700 à 2000 euros par mois, la personne n'aura pas, elle n'aura peut-être pas complètement l'allocation adulte handicapé supprimée, mais au lieu d'avoir ses 900 euros par mois qui lui donnent un minimum, je dis bien un minimum, d'autonomie financière, s'il lui reste plus que 400 euros pour vivre, beaucoup de personnes perdent l'indépendance financière.